Oui, maman. Merci beaucoup. De rien, maman. J'ai fini. J'ai okay. rempli tous les récipients. Oh, vraiment? Oui, maman. Merci. Merci, ma fille. Oh. Maman, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à me remercier. D'accord. Je vais arrêter de te remercier, mais merci. D'accord, maman. <laughs> Allez, tu peux prendre ça. Ah, non, maman. Maman, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je fais ces services parce que je t'aime de tout mon cœur. Je sais, mais j'insiste, prends. Hé, hey, non, maman, je ne peux pas prendre cet argent. Ma mère ne sera pas aussi d'accord avec moi pour ça. Kira, non, maman. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi. Allez, prends, s'il te plaît. Je t'en prie. Ah, maman, je prends juste cet argent parce que je ne peux pas du tout te désobéir. Merci. Prends. Merci, maman. Je t'en prie. Tu sais bien que tu peux passer chez moi quand tu veux m'aider avec des petits ah! travaux. Je vis ça. Pour ça, il n'y a pas vraiment de problème. Je te jure. Je suis contente de le faire pour toi à tout moment. Pas de problème. Merci beaucoup. Et hey, maman, tu vas me tuer avec <laughs> des merci. Ça <laughs> va. C'est bon. Ah! Je ne veux plus te remercier, ok Mais merci. J'ai vraiment apprécié. Tu as encore dit merci, oh. <laughs> merci, merci, maman. Merci, ma fille. Merci. Que Dieu te bénisse. Ah, je m'en vais déjà. D'accord. Mes salutations à ta mère. Oui maman, merci encore une tu fois. Tu vois que c'est toi qui me remercie. Ah ok toi. maman, bye bye. <laughs> Au revoir. D'accord maman. Prends soin de toi. Maman, est-ce que je dois partir avec cet argent Bien sûr. J'ai tellement donné avec toi mon amour. Ok. Oui. Merci <laughs> maman. Tu veux que je t'en donne plus Ah non maman, ça suffit, <laughs> c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord maman. Mes salutations à ta mère. D'accord <laughs> je le ferai. Bye. Merci. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez compté cet argent? 5000 Neira! Hey! Cette femme a beaucoup d'argent. Vous oh. pouvez vous imaginer qu'elle m'a donné 5000 Neira juste parce que j'ai posé pour elle de l'eau et j'ai nettoyé pour elle la maison. Hey. Je n'abandonnerai jamais cette famille pour n'importe quoi. Jamais! Comme je n'arrive pas à voir son fils, je vais toujours me coller à cette famille. Oui, yo. 5 000. Ah! oh! Cinq mille! Ha! Oh! Kedou, Oh mon Dieu! Ce sentiments est partagés. Vous savez, mais juste en regardant vos sacs, vous de même, vous venez de faire du shopping. Je savais <laughs> que ça serait possible. Je dois toujours être heureuse, tu sais. Allez, c'est bon, ça suffit. Arrête de nous chanter tes louanges. Parce que je sais que tu es l'une des filles les plus chanceuses que j'ai connais. Mm -hmm. <rire> <rire> Ma chère amie, honnêtement. J'aurais voulu être à ta place, je le jure. Mmh. <laughs> ne souhaite pas ce que tu ne sais pas réellement. Mmh. Puisque c'est lui qui a mis de chaussures, il est le seul à connaître là où ça fait plus mal. Mais ce sujet est en dehors de mon agenda aujourd'hui. <laughs> Comment va ton mari Il va à merveille. Mais pourquoi il n'irait pas bien Au moment, où il a une ravissante. Et élégante femme à ses côtés. Ma chère, il le paie qu'à le bien. Tu peux encore le redire, bébé. Oh mon Dieu, arrêtez avec vos éloses. Méfiez-vous des apparences. Ok, sérieux. Quand est-ce que vous venez me rendre visite Bien, je pense que c'est lorsque tu auras envie de voir nous deux chez toi. Vraiment, mm -hmm. oui. sentez-vous à l'aise. Ce sera à votre convenance. Vous savez qu'il m'apporte toujours verte. J'aimerais bien avoir. Mais des folle parce que votre présence me rend très heureuse. <laughs> Attendons un peu, depuis qu'on est là on est en train de parler, mais euh, je constate que, à gorge sèche, on ne va rien prendre, ou quoi Pas de boisson aujourd'hui, les barmanes Serveur, je t'en prie, viens vite, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de dépenser de l'argent, j'ai besoin de vider les comptes bancaires de mon ami ici présente. Fais tu <laughs> imaginer? Vraiment. Vraiment, ma chérie. Tu as fait raison. <laughs> oh, <'est> Dépêche-toi. <laughs> tu pas sérieuse. Balay très bien, oh. Maman, bah bon, c'est ce que je fais. Ah, Godia. Eh oh, Naye. Euh. Tu pars déjà? Oh oui. Je dois aller à cette réunion de conseil, tu vois. Bonjour, papa. Ah, bonjour, ma fille. Comment tu vas? Ça va. Naye. Oui. Kossi a appelé ce matin. Ok. Um, elle a dit qu'elle appelle ton numéro, mais ça ne passe pas. Oh, vraiment du tout. Mon téléphone, il me cause du tort. Hein? Ça fait un bon bout de temps que cela me pose des sérieux problèmes. Hein? Je ne sais plus quoi faire avec ce téléphone. Non, il va réparer ton téléphone, non Ou tu peux appeler au de t'acheter un autre euh, 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 N'implique pas Kossi dans la réparation de mon téléphone. Ne te dérange pas, je vais le réparer. Quand j'aurai l'argent et même quand j'aurai le temps. Ne l'implique pas, s'il te plaît. Papa! Qu'est-ce que tu dis toujours? Hein? Quelqu'un, je dirai à cause dès qu'elle viendra. Je sais que tu as toujours réfléchi de ta manière. Et je ne peux pas t'en empêcher. Euh, Vas-y et fais ce que tu veux faire. Mais, tu vois, je ne peux pas m'y échapper. Comment peux-tu échapper à ça? Lorsque tu es toujours résistant aux choses utiles. Ah, ah! Tu sais, si je commence à discuter avec toi du matin jusqu'au soir, nous n'allons pas arrêter. Alors laisse-moi m'en aller. Je pense que tu as gagné. Va bien. Au revoir, ma... papa. C'est bon. Je sais que tu es madame gagnante et tu aimes gagner à tout moment. <laughs> tu gagnes alors. Bye bye, Ona. Oh, papa, prends soin de toi. eh, hey, Prudente. Maman. Même lorsque j'appelle le nom de ta soeur, tu dois toujours accepter. C'est ma soeur. C'est quoi? Biko. Laisse d'abord ce que tu fais. Si tu rentres, tu vas continuer avec ça. Va chez Mama Ichoma. Hein? Va me prendre. Euh, comment on appelle ça encore? Euh, Ekuna. Dépêche-toi. Ok. Mes oh, hein? mains sont en train de me déranger. Dépêche-toi. Dépêche-toi, oh. D'accord. Tu vas continuer avec ce que tu étais en train de faire ici. Chérie, bébé, arrête. J'en ai encore envie, s'il te plaît. Hum, chérie, calme-toi maintenant, s'il te plaît. Ok, la journée était vraiment fatigante. Alors, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de, de dormir, s'il te plaît. On le fera demain, <laughs> je te le promets. C'est ce que tu as toujours l'habitude de dire. T'en fais pas, on le fera demain, je te le promets. Hum. Cosy, so hungry. Hungry est-ce que tu vas bien? C'est que tu as un problème. Franchement, c'est aussi ce que j'ai remarqué. C'est comme si elle n'a pas envie de parler. Ma belle, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Je veux bien. Tu vas bien, bébé. Tu peux bien nous mentir, mais en tout cas pas à toi-même. Je veux dire, nous sommes tes amis. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qui te dérange. Tu peux te confier à nous. Nous sommes tes amis. Je veux dire, ça c'est pas le Cosy que je connais. C'est clair qu'il y a quelque chose qui te dérange, et cette chose doit être ajustée. Raconte-nous, c'est quoi le problème? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. La situation est plus grande que moi. C'est vraiment sérieux. Peu importe la gravité de ces problèmes, tu peux toujours en parler. Je meurs d'une satisfaction sexuelle. Oh. <laughs> Désolée, je ne comprends pas. Mais ton mari est là. Oui, oui. Il est vrai qu'il est là, mais je me sens tellement vide. Il n'arrive pas à me satisfaire. Là, c'est même quand je m'en plains en m'intéressant. Euh, bébé, euh, euh, pardonne-moi si je peux demander. Mais dis-moi c'est quoi la raison parce que là, la dernière fois quand j'avais checké, ton mari avait l'air sexuel très actif et il était très fort. Sérieux C'est raison, c'est soit il est fatigué après une longue journée de travail, d'arrache-pied, toutes ces choses. Ce ne sont que des excuses. Je souffre, pour vous dire vrai. Maintenant, je comprends. Alors sérieusement, c'est vraiment un problème très pertinent. Ok. As-tu fait tout ce que tu pouvais Je veux dire, as-tu essayé de faire tout ce que tu pouvais juste pour les pousser encore plus loin J'ai déjà fait tout de mon possible. Mais il n'y a rien de positif. Euh, mon ami. Regarde. Tu dois faire quelque chose. Ok Je veux... Tu dois les séduire. Il ne veut pas m'écouter. Humainement, je fais tout ce que je pouvais, mais fais de ton mieux. Je veux dire, séduis-le. Ah. S'il ne réagit pas, prends en charge. Ah. J'ai déjà fait toutes ces choses. Mais ça ne marche pas. Si toutes deux vous ont insisté, là, je vais reprendre mes efforts. On insiste. On insiste. Eh ben, ma chérie, je, je partage ta peine. Et je suis vraiment désolée de tout ce qui t'arrive. Mais t'inquiète pas, tout ira bien. Ok euh, J'espère je, je, bien. Ok. Non, sérieusement, les gars, c'était trop bon. <laughs> <laughs> Mais je ne peux toujours pas croire. Quand est-ce que... Quand a eu lieu ce brusque changement Quand C'est vraiment incroyable. <laughs> Alors, comment va ta femme um, Ma femme va très bien, oui, très bien. Ouais. Bien, je te crois. Je sais que tu prends très bien soin d'elle. Bah ouais, si je ne prends pas bien soin de ma femme, <laughs> dis-moi, de qui vais-je prendre soin au juste <laughs> Mais les gars, vous deux là, quand est-ce que vous allez quitter le célibat euh, Et quand allez-vous euh, quitter l'état dans lequel vous vous trouvez Tu recommences encore. Uh -huh. Bien, pour moi, je n'ai pas encore vu la femme qu'il faut. Dès que je la vois, je pense que je pourrai. Je, je ne comprends pas là. Donc, depuis tout ce temps, tu n'as jamais trouvé. Qu'est-ce que tu racontes juste Arrêtez de déranger la vie de ces filles. Ah. Voyez-moi, mon pote. C'est pour que le corps et l'âme cohabitent. Écoute, c'est un exercice très important. C'est un exercice pour la vie. Écoute, d'ailleurs, au moment où je te parle, je ne vois aucune femme qui pourrait me garder juste pour elle. Non, 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 pas maintenant. Euh, écoute, écoute. Si tu n'es toujours pas prêt de te mettre en couple avec une de ces filles, hein, pourquoi ne pas simplement les laisser aller en paix? Laisse-les partir, oh. Hein Juste flirt, flirt. C'est pas bien ça. C'est pas du tout bien, man. <laughs> Voyez-moi qui parle. Richard. Mm -hmm. Attends. Ça, c'est vraiment Richard. Demande-lui. Oh. Donc, c'est maintenant Richard qui nous prodigue des conseils en ce qui concerne les femmes. Um, ok. Ok, fais une pause. Regarde un peu en arrière. Pense à nos jours à l'école. Qui était notre mentor Bah. En matière de femme. Oh. C'était qui Oh, oh ça, il y a vraiment très, très longtemps de ça, là, tu vois. Uh -huh. Ok C'était il y a longtemps, plus maintenant. Hein <laughs> Là, j'ai totalement changé. Donc, je vous, je vous dis, les gars, le mariage, c'est très bon. Vous ne pouvez comprendre ça. Et j'aime énormément ma femme. Attends un peu, là. Essayes-tu de nous dire que tu n'as jamais trompé ta femme depuis que vous vous êtes mariés je n'ai jamais trompé ma femme et je ne compte pas le faire du tout. J'aime énormément ma femme, énormément. Que, que vais-je gagner en le faisant, dites-moi Vraiment. Je suis sérieux. Bien, j'essaie toujours de... De comprendre si c'est vrai. C'est la vérité. Vous savez, je suis content. Il a finalement trouvé une femme qui... est capable de... Te rendre humble. Non, non, je t'arrête tout de suite. Nous ne parlons pas d'une simple femme là. Nous sommes en train de parler de ma femme. Et oui, elle m'a rendu humble. Mais c'est ça. je ne pas, elle m'a rendu humble. Et c'est exactement pourquoi je veux que vous deux là, vous puissiez aller vous marier. Et surtout de vous trouver des femmes qui vont vraiment vous rendre humble. Nous parlons de la même chose ici. <coughs> Le <coughs> mot commun, c'est humble. Ah non, non, non. Écoute, écoute. Quand uh -huh. tu vas te marier, quand tu vas uh -huh. aimer ta femme, tu comprends ça Et c'est là que tu vas. Commencer à réfléchir comme euh, d'une manière très différente. Tu comprends ça? Et c'est ça qui va te t'amener à devenir humble. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que devenir humble. Il n'y a pas que devenir humble mm -hmm. ou gentleman. Là au moins, mm -hmm. tu vas commencer à réfléchir plus différemment que tu ne le fais maintenant. Ok. Oh oui, je te dis vrai. Ma soeur, ça fait tellement longtemps. Ah! Idioma! Rebecca de Rebecca! <laughs> les sauveurs de toutes les femmes de ce village. Ah, Idioma! Tu me fais des compliments comme ça, j'espère que tout va bien. Tout va bien, oh ma soeur, tout va bien. Comment va ton fils Richard avec sa famille? Ils vont bien, merci. Mm -hmm. euh. Je vois bien que tu reviens du marché. Je t'ai m'acheter quelque chose. Oh, tu ne devais pas aller jusqu'au marché juste pour ça. Si tu ah toujours dit d'appeler ma fille au besoin. Il faut toujours appeler ma fille au cas où tu as besoin de quelque chose du genre. Une femme charmante et riche comme toi ne peut pas se donner des stress comme tu le fais. Idiote. Sais-tu au moins combien tu es gentille? Oh. Ta fille a hérité cela de toi. Elle est très gentille, juste comme toi. Hey, merci, yeah, beaucoup. merci beaucoup. Elle vient souvent à la maison m'aider. Mmh. Oui, mmh. madame. ma. Entre fait, merci pour l'argent que tu lui as donné la fois dernière. <laughs> c'est rien. Ta fille est très gentille. J'aurais dû lui en donner plus. Hey, hey. Oui, c'est ça. Hey, merci. Oui. hein. <laughs> Au revoir. Rebecca, <laughs> Rebecca. <Rébé, rébé. rire> Mais c'est attaché à toute la famille. Ok. Ok. okay. Hey, c'est bon. Tchai, voilà les femme qui respire. Rebecca, Rebecca. Indeo. N'en persiste pas pendant longtemps. Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Oh, comment m'y prendre? Ça m'effraie tellement. C'est ah, est-ce que tu m'amènes, euh, Je, je vais juste te montrer un truc. Je t'ai amené quelque chose. Oh. Allez, patience, patience. J'ai une surprise pour toi. Oh, mon amour. Un. Deux. Ah. Oh, oui. Trois. Tadam! Joyeux anniversaire, mon cœur. Oh mon Dieu! Oh mon. Ah! Oh, Tiens, voilà des clés. <laughs> ah, Allez, je chérie. Crois pas, <rire> <rire> oh mon Dieu! <laughs> je n'en reviens pas, chérie. C'est bon, c'est bon là. Allez, c'est bon, il n'y a rien de grave là-dedans. Oh, merci allez, c'est bon, que... c'est bon, chérie. Oh, tu sais que je ferai n'importe quoi pour Mais toi. Oui, je sais. Ok, si je ne le fais pas pour toi, pour qui je le ferai Je sais, je sais, chérie, merci beaucoup. Tu me donnes tous ces dont besoin. Tu accomplis tous mes désirs. Excepté Excepté quoi Allez, vas-y, vas-y, dis-le-moi tu sais que je puis faire ce qui est en mon pouvoir pour le réaliser, alors dis-le-moi, vas-y s'il te plaît. Excepter quoi À l'exception de rien, je voulais juste te taquiner. Ah, allez, bien la chérie. <laughs> allez, vas-y. Oui. C'est ta voiture yeah. quand même. <laughs> oh mon dieu. Ce style est fou. Je crois que celle-ci me plaît. Je dois en acheter. Non. Qu'est-ce que tu en dis Au fait, pour moi, j'aurais choisi celui-ci. Ça, c'est mieux pour moi. Seigneur, mais qui fait ces bouquins Cette personne doit sûrement être malade. Moi, je vis plus que ça. Ma chérie, où je vis, c'est l'enfer. Je te dis, alors, ça peut être des gens qui viennent chercher je ne sais qui. Alors, ne le suis pas. Euh, en fait... Regardons ce qu'on est en train de voir ici. Désolée, je n'en peux plus. Je dois aller voir et savoir qui est cette cervelle. Attends, ma chérie, veux-tu aller te mêler dans des choses qui n'ont même pas des sens, ma chérie? C'est quoi ça? Tu vas aller discuter avec eux ou quoi? Mets-toi là-bas, ma chérie, c'est quoi ça? Viens voir cet habit. Ça, c'est vraiment oh. le meilleur de ces derniers temps. Hé, hey, ma chérie, regarde. Regarde ça. Bébé, t'as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Cossi, Qu Mais. Quoi? tara oh! <laughs> oh! mon dieu! <laughs> Dis-moi, jeune fille, que tu es en train de plaisanter. Ce n'est pas de la plaisanterie, t'es <laughs> Wow! C'est vraiment une caisse! Ton mari sait comment te surprendre. Mm. Eh, hey, Ben! Mm. Sérieusement, il est plein de surprises. Je ne m'attendais même pas à ça. Oh Seigneur, Richard m'aime plus que tout dans ce monde. Oh. Je suis très certaine qu'il m'aime même plus que sa mère. Ma chérie, un Benzema. Benzema. Oh, c'est vraiment un Benzema. Ma chérie, tu ne devais pas autant d'années dans ces mariages, mais tu as beaucoup bénéficié. Oh. Richard est vraiment un ange pour toi. Oh, bien sûr que oui, c'est ce qu'il est. Mon mari me donne pratiquement oh. tout ce dont j'ai besoin. Il est juste exceptionnel. Euh, mais je n'ai pas encore eu complètement tout ce que je veux. Je suis une femme. Euh, je veux bien avoir mes enfants. Mes propres enfants, bien sûr. Et le fait qu'il ne me satisfait pas. Lit, triste, ça suffit, ça suffit, les filles. Maintenant, je ne veux pas que quelque chose vienne gâcher ta joie ou te mm -hmm. rendre triste. Mm -hmm. Rappelle-toi qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, alors c'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Ok, allez, on passe à autre chose. Je vais aller dans la chambre, mettre mes chaussures et mon sac à main. Et juste après, nous allons sortir. Bien sûr, bébé. <laughs> Le film, vous savez quoi? C'est les moments qu'on aille s'amuser. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. C'est oui, pour la célébration. célébration. <laughs> Je reviens. Ben, Franchement, c'est terrible En tout cas, comment tu trouves la marque mmh. Tu, tu es as fun. tapé, bébé. Tu as tapé, tapé, tapé. Wow. Mmh. Oh. Mmh. Voyez comment belle et travailleuse ma fille est devenue. Hmm? Je ne la laisserai pas commettre la même erreur que je faite en épousant son père pour finir dans cet endroit misérable. Euh, maman, ouais. j'ai fini de faire la lessive. D'accord. Oui. J'espère que tu n'as pas oublié de vider de l'eau dans la machine à laver. Oh oui, je le fais. Ok. D'accord. C'est bon. Oh, c'est ça. Tiens. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup d'être venue pour m'aider. Merci aussi, maman. Euh, maman, hum? je voulais demander ton programme par rapport à demain et après-demain. Et c'est pourquoi? Euh, c'est pour que je vienne encore pour euh, t'aider encore plus. Ah, Kiro. Pour le moment, tu as pratiquement tout fait. Mais tu peux toujours venir à la maison ici, c'est chez toi. Tu es libre de venir à n'importe quel moment que tu voudras, ma fille. Merci, maman. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est plutôt à moi de te remercier. <laughs> Pour tout ce que tu fais pour moi, <laughs> je l'apprécie beaucoup. Merci. Ah, maman, tu es la reine de merci. Ça suffit. Eh, <laughs> <laughs> hey, moi, je pars déjà. D'accord. C'est bon. Passe mes salutations à ta mère. D'accord, maman. D'accord. Bye. 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 Au revoir. Ah. quoi tu vas rester planté là toute la nuit en train de me regarder sans dire quoi que ce soit je me sens juste emporté par l'ange qui est à mes côtés Oh, seigneur s'il te plaît je t'en prie arrête de me flatter avec de belles paroles d'après tout c'est pas la première fois que tu me croises encore mieux c'est pas la première fois que tu cherches une aventure avec une jolie fille et voilà. Et c'est pour cette raison que je te préfère. Mm -hmm. Tu as une manière très intelligente d'aborder les sujets. Écoute, je crois fortement en nous. Oh, en nous oh, Désolé, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire hmm. Trisha, je t'aime. J'ai commencé à t'aimer dès le premier jour que je t'avais vu. Je sais que je ne suis pas le gars qui est toujours sérieux en ce qui concerne les femmes, mais euh, tu vois, je ne sais pas. Je veux du changement. Je cherche une partenaire, pas juste une amie. S'il te plaît, je te prie de me donner la chance pour que je te prouve mon amour. Oh. Tu ne t'es jamais intéressé à moi, mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Oui, je sais. Je le sais. Je sais que je ne t'ai jamais abordé, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aimais pas. Écoute, je t'ai dit que je t'ai aimé dès le premier jour que je t'avais vu. Tu as tellement cette forte personnalité qu'aucun homme ne pourra blaguer avec. Je t'ai aimé dès le premier jour que je t'avais vu. Mais. J'avais juste peur d'être trop attaché à toi. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Qu'est-ce qui te fait croire que je te ferais cela? Oh, bien, en fait, je, je pense que j'avais tort de réfléchir de la sorte, mais c'était le passé. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je ne te les ferais pas maintenant? Oh, euh, parfait! En fait, ce serait parfait maintenant parce que je veux que quelqu'un s'attache à moi. Je veux qu'on puisse m'attacher maintenant. Je t'en prie. Veux-tu être cette femme merveilleuse qui va me faire reprendre mes sens Parce qu'au moment où je te parle, je les ai perdus. <laughs> oh mon Dieu. Attends. Es-tu, indirectement, en train de me demander en mariage Parce que c'est ce que tu essaies de faire. <rire> <rire> um... Puis-je moins oh, avoir senior. un câlin S'il te plaît. Oh s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, arrête. Un câlin qui veux dire oui. Ok. Oh viens <laughs> là bébé. Ça là. Oh. Merci. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Allez, arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. Je ne supporte pas. Oh, arrête ça, s'il te plaît. Ok, très bien, très bien. Le honnêtement, j'étais très surprise. Je n'ai jamais su qu'il pouvait être aussi sérieux. Pourquoi étais-tu surprise N'est-ce pas que c'était ça que tu voulais oui, c'est vraiment ce que je voulais, mais je ne savais pas que Bobby pouvait être aussi sérieux. Je veux dire, j'ai vu la sincérité dans ses yeux. Permettez-moi de dire ceci, je suis déjà amoureuse de lui. <laughs> Trisha, uh -huh. Trisha, uh -huh. c'est mon nom. Fais attention, fais attention pour ne pas tomber dans l'obsession de l'amour. Mais, mais je te connais très bien, où. Tu me connais tel que je te connais aussi. Ma chère amie, tu prends mal mes intentions parce que je vais être très sérieuse cette fois-ci. Je ne vais pas blaguer avec lui. Je ne vais pas gâcher cette opportunité de devenir sa femme. <laughs> <laughs> Es-tu en train de planifier comment lui proposer le mariage Ça, il l'a déjà fait lui-même. J'attends juste qu'il vienne. Mais passez la bague au doigt <laughs> Ok, je vous souhaite les meilleurs. En tout cas, tous les meilleurs. Mais n'oublie pas quelque chose. Je vais t'attendre ici pour te consoler au cas où tu en auras besoin. Mmh? Je t'attends ici, ma chérie. Désolée de te décevoir, ma belle. Je n'aurais pas besoin d'une épaule pour pleurer. Je peux tout gérer. Je suis amoureuse. <laughs> OK. Oh mon Dieu. Cossi. Cossi? Cossi. Hmm. Ah, ah. Depuis que nous avons commencé à causer, tu n'as rien dit. Tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien, Désolée. De quoi discutiez vous Est-ce que c'est vrai N Non, je... Tu vas bien qu'aussi. Vraiment, c'est la vérité Non, tu ne l'es pas. Ben, je viens de vous dire que je suis désolée, non C'était quoi le sujet déjà Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Dis-moi, hein T'es toujours perdue, c'est quoi Je ne suis pas perdue, dites-moi, de quoi oh. parlez-vous Hein Mais tu... Oh! Koussi, tu as dit que tu vas bien? Non, tu ne vas pas bien, ma chérie. Chérie, tu ne vas pas aller à la boutique? Non, je reste faire la lessive. Après quoi, je vais me reposer. Es-tu sûre? Oui, ça va. Ton visage m'a l'air inquiet, très inquiet. Est-ce que tu vas bien? C'est hier que je suis revenue un peu stressée, du boulot. Comment as-tu pu permettre cela alors? Pourquoi te stresses-tu? Hum? Je n'avais pas d'autre choix que de le faire moi-même. C'était nécessaire. Je ne veux pas te voir stressée. Ok? Mm -hmm. OK. Mmh. Très bien, à plus tard. Mmh. Bye. Bye chérie. Que vais-je faire? Je souffre dedans de moi. Je veux le sexe. Je veux être satisfaite. Comment dire à mon mari qu'il n'arrive pas à me satisfaire? Je l'aime et je ne veux pas qu'il se sente lésé. Oh. oh, Seigneur. Jusqu'à quand je vais endurer dans cette situation? Non. Je dois chercher comment les lui dire. C'est lui, mon mari. Il doit savoir comment je ressens. I have you, still feels like I have no one with me. You're right beside me, feels like I have just alone. No one to hold me when I have everyone to hold me. No touch no cases when i want it more than ever this temptation is just too much i can't hold it no more no more no more someone please come help me come help me someone please come change my mind is too much what i'm having là Vous faites un tour de ce côté. Prenez également l'autre là que je vous ai montré avant. De, de là où nous sommes venus. Jusqu'à ce point. C'est là que ça prend fin. Et c'est ça vraiment la taille du terrain. Ça commence là. Vous prenez celui-ci, l'autre là, et ça prend fin ici. Euh, Mazé, ouais. Cette portion de terre et sa taille. C'est exactement ce que mon fils veut pour son projet. Oh, <laughs> oh oui, oui. n'est-ce pas mon cher Oh oui, et... c'est ça même. Votre euh... fils a bon goût <laughs> vraiment. Tu peux le redire. <laughs> tel père <laughs> tel fils. <laughs> ouais. tu as bien élevé ton fils. Et je suis très très fier de lui. Il a bien pensé d'aller pour rentrer dans la maison de son père, dans le village de son père pour euh, créer une telle facilité. Je suis très fier de lui, puisqu'il a quitté là et est revenu ici. Au lieu de construire là-bas, euh, à l'étranger, dans le pays des étrangers, je suis très fier de lui pour ça. Oui. Moi, je l'ai bien instruit. Ouais, il n'y a pas mieux que chez soi. <laughs> ça, c'est très bien, c'est correct, n'est-ce pas? Oui. <laughs> je ne dis pas le contraire. <rire> <rire> ok, euh, ça marche. Uh -huh. Dans ces cas, nous sommes arrivés à un compromis. <laughs> bien sûr que oui. En okay, fait, okay. euh, je dirais à mon fils de se préparer déjà à faire le paiement aussitôt possible. Ok, ok, <rire> ok. <rire> ouais, ok. Ça c'est vraiment une bonne chose. <laughs> euh, D'ailleurs, ouais. Tcheta, cheta. Uh -huh. Comment vont tes filles? Euh, elles vont bien. Elles vont bien par la grâce de Dieu. Elles vont bien. Comment va la plus jolie là? Oh, à quoi? Elle va bien. Elle se porte très bien. Ah ah, Mazé est Ah ah, y a-t-il quelque chose que je dois savoir? <laughs> les morceaux le morceau. Prudente, ça même. ta fille oui, est une jolie fille. Comme j'avais dit à Mazé Ibe. C'est ça, même. Prudente et mon fils ferions un meilleur couple. Qu'en Ah oui, c'est correct. <laughs> ok. Genre, créer un bon foyer. Je vois maintenant la direction qui s'appelle. Oui. Hein? Maso ce que tu as dit est vrai. Tu as très bien parlé. Mais tu vois, quand il s'agit du fait que nos enfants se marient ou entreprennent des relations de ce genre, je n'aime pas trop m mixer, Tu vois? J'aime souvent qu'ils fassent leurs propres choix et qu'ils prennent leurs propres décisions. Tu vois? Tu es un homme très sage. <laughs> oh oui! <laughs> Mais aider nos enfants à prendre certaines décisions pour leur vie, c'est très important. Très, très important. Très important. Très, très, très important. Comme chez oh, nous, on ça dit ce qu'un ancien voit en étant assis. L'enfant ne saura pas les voir, même s'il montait au sommet. De l'arbre. <laughs> ça c'est <laughs> Vous avez bien parlé. <laughs> Maziba et Mazio vous avez euh, très bien parlé. Euh, oui, Merci. Et je vous ai entendu. Merci. Mais je continuerai toujours à dire que euh, nous devons laisser nos enfants faire leurs propres choix dans des sujets si pertinents qui concernent leur avenir. Ah oui, <laughs> tu vois, c'est exactement euh, euh, oui. euh, oui. ce que nous devons faire. Okay. Ça. Oui. Vous savez, les enfants de nos jours. Euh... Ils doivent toujours faire leur propre Oui, oui. <laughs> en tout cas, je ça vous même. dis. Maman, je m'en vais. Mm. Oui, bon, moi, rassure-toi de l'impressionner. Ah ah, tu sais non Maman, uh -huh. tu ne crois plus en ta fille ou quoi Si je ne l'impressionnais pas, elle n'allait pas continuer à m'appeler dans sa maison tout le jour. Pour... Ta fille va très bien. Écouzé, hum? Tu as raison. <laughs> à toi. -toi maman, est-ce que suis-je belle <laughs> Ça va. Ça va. Je vais, je vais, je vais, je vais. Hum. Reste-toi d'aller. D'accord, maman. N'oublie pas de soulever une conversation concernant son fils. Très, très important. important. Je le ferai, maman. Oh mort maman, mm, a... oui. t'inquiète hey. Nous voici en train de devenir riches. C'est possible. Moi, non, moi. <laughs> ah, ah, c'est quoi ça? Ah. Ne venez pas à me déranger. Il n'y en a pas assez pour vous. Oh. <laughs> Ah, Godia. <laughs> Nan. Nice. Hein? Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Dieu merci. Alors, comment ça a été? Ah, ça s'est très bien passé. Et Oui. Hey, mon mari. Mazio Okoli et son fils aîné. Hein? Ils vont effectuer le paiement d'ici là. C'est vrai? Oh oui. Hey! Oh oui. C'est une bonne chose. Une chose de plus. Biko, biko. Viens <laughs> <laughs> t'asseoir. Hey, mon mari. <laughs> hey! Euh, euh. Mazio Kole vit en fait qu'il y ait une relation entre son fils aîné et euh, Aqua C'est vrai Oui. <laughs> tu veux dire prudente Oui. Alors, quelle était ta réponse euh, C'est normal, non C'est à ma fille prudente de faire son propre choix. Aqua fera son propre choix. On ne peut pas être impliqué dans leur choix. Il n'y a pas moyen qu'on soit impliqué dans leur choix. Alors, c'est comme ça que les choses vont se passer. Euh, euh, oui, euh, le fils de Mazé c'était euh, c'est un garçon très courageux. Je sais ce que je dis, c'est vraiment un garçon très sérieux. D'accord. Personne ne dit le contraire. Euh, 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 je pense que ça serait mieux que tu réfléchisses à sa proposition. Ah, ah, tu sais que j'étais toujours dit que nous devons laisser nos enfants faire leur propre choix. Hein? si nous avait amené Richard ici, nous disant Voilà mon mari. Et nous l'avons accepté. On ne s'était pas impliqué. Et la même chose sera aussi fait pour Akwangwam. On ne va pas s'impliquer. C'est leur propre choix, leur propre bonheur. Et c'est les gens qu'elle nous amène que nous allons accepter. Ah mais, oui. faut-nous pas d'abord euh, dire euh, à Prudente? Pas si vite. Ah non, tu vois comment tu as tout réagi, hein? De quel temps parlais-tu? Prudente! Prudente, ma fille! Maman? Hein, non, viens, 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 ma fille. Eh. Hey! Bonjour. <laughs> à quoi on... Maman, je suis hey, là. ma fille, viens t'asseoir ici. Comment tu viens? vas? Viens vite, vite. <laughs> Hé! Oh! <laughs> Ton père... Vient d'avoir une réunion avec Maze Okoli. Euh, il a dit que Maze Okoli lui a dit que son fils. J'allais dire qu'il a vu que toi et son fils. Peut... Maman, maman, ah, s'il te ma plaît. Fille. Je connais déjà la fin de cette histoire. Je ne suis pas intéressée. Ah, ah. Mm -hmm. Prudente. Mm -hmm. Tu n'as même pas laissé finir ce que j'étais en train de te dire. C'est parce que je sais déjà ce que tu as l'intention de me dire, maman. Maman, crois-moi, la façon dont tu vas avec cette affaire, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Mmh. Tu as vu, madame connexion, mmh. ton travail c'est de connecter. Tu connectes ici, là-bas et partout. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas laisser ces enfants faire leur propre choix. Ce qui est très, très important. Je t'avais déjà dit ça. Le femme et le mariage. Ha. Ha. Mm. Ok ou. Bébé, j'aimerais te dire quelque chose. Je t'écoute, vas-y. Je ne trouve pas satisfaction sexuellement. À chaque fois que nous sommes en intimité, tu ne me fais pas arriver au bout. Tu t'es lassé, t'es fatigué si rapidement. Euh, Lève-toi de là. Es-tu aveugle Es-tu en train de me dire indirectement que je ne suis pas sexuellement actif C'est ce que tu veux me dire Non, non, c'est Alors de pas quoi pas parles-tu Bébé, ça n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de dire que tu peux faire plus. C'est déjà bon ce que tu fais, mais tu n'en fais pas assez. Sais-tu que tu viens de m'insulter en me disant une chose pareille Le sais-tu Depuis quand peux-tu dire une telle chose Tous les jours avant que je n'aille au boulot, nous le faisons. Et le soir, quand je reviens et que je monte là-haut, nous le faisons. Que veux-tu plus de moi Dis-moi, vas-y, dis-moi Bébé. Oui. Tu fais tout ce que tu peux. Mais. À vrai dire, la question serait ici tu résistes pour combien de temps je ne peux croire que c'est toi qui me dis tout ça. Je suis vraiment déçue de toi. Bébé, s'il te plaît, ne me mécomprends pas. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Ce n'est pas pour te mettre en colère que je l'ai dit, c'est juste pour nous dire que nous pouvons améliorer les choses. S'il te plaît, peut-être que mon approche n'a pas été bonne, mais ce n'est pas dans l'intention de te... Lâche-moi, c'est bon. <laughs> wow. I'm so hungry Hungry for more of your love All this is temptation Okay Okay, okay s'il te plaît Okay 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 Inke. Onyabuchi, qu'est-ce qu'il y a? Inke, je n'aime pas ce que tu fais. Accorde-moi un peu d'attention. Tu me stresses, tu continues à, à, à m'ignorer. Hein? Peux-tu répéter? Je dis que tu me stresses. Tu es vraiment stupide pour m'avoir dit cela. <laughs> je te stresse. Venez écouter cette affaire, oh. Ce petit vaurien me dit que je le stresse. Inke, calme-toi, non? C'est pas arrivé à ce point-là. Tu me demandes même de me calmer. Hey, hey Kiro va tout voir dans ce village ici. une est stress. Je ne vais pas te blâmer. Je ne vais pas te blâmer. Idiot. Toutefois, laisse-moi t'épargner du stress. Nous ne sommes pas de la même classe, je t'en prie. J'appartiens aux gens du niveau élevé de la cité. Tu vois moi, tu ne devras pas prendre soin de moi. Tu ne sauras rien. Tu peux vendre toute votre terre. Je sais n'importe quoi de vos ancêtres ou quoi. Tu ne sauras pas prendre d'un kilo. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de la même classe. M'as-tu entendu Alors, n'ose plus jamais me suivre. N'importe quoi. Calme-toi, Inke. Mon Dieu, m'as-tu demandé de me calmer <laughs> Donc tu viens d'apprendre un nouveau français et tu viens le pratiquer chez moi je ne te blâme pas. Voilà pourquoi je dois quitter ce village vite pour que toutes ces insultes s'arrêtent. Petit rat, n'importe quoi. Oh, regardez. Idiot. Ok, je finirai par travailler à la cité. Va à la cité, n'importe quoi. Chérie, ton petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas faim. Je mangerai sûrement quand j'aurai faim. Donc je ne mangerai je pas tu ici. Je ne peux pas sortir des vents trop vides. Si c'est à cause de ce que je t'ai dit la fois dernière, je suis désolée. Es-tu fâché contre moi Pardonne-moi, chérie. Kossi, t'excuser ne fera pas ce que je mange la nourriture. Ok ça ne fera pas ce que je mange ta nourriture. Connais-tu le degré d'insulte que tu m'as infligé hier? Le sais-tu? Tu m'as regardé en face pour me dire que tu n'étais pas sexuellement satisfaite. Bébé, désolé. Ce n'est pas pour t'énerver que j'avais dit ça. Je te promets que je ne vais plus les répéter. Nous en parlerons quand je reviendrai, parce que là je suis vraiment en retard, OK?

Le masculin. Ma chérie, les hommes n'aiment pas qu'on les insulte. Ils se sentent intimidés. Ça, c'est vrai. Tu vois, quelquefois, ils n'ont pas toujours raison. Mais ils refusent de l'accepter et ils protègent leur côté des hommes. D'accord Tu as entièrement raison. Et crois-moi, ton mari sait parfaitement que tu as raison sur toute la ligne. Mais il ne va pas l'admettre à ta présence. Tu sais, tu dois observer et savoir où il a changé. Quelquefois, il peut te le dire. Je sais que c'est très difficile parce que ces choses ne se discutent pas hors de la maison. Mais parce que nous sommes tes amis, nous devons nous le dire. Ok. Et qu'est-ce que je fais maintenant? cherche toi un vibro ma soeur. ah, ah <laughs> ma chérie <laughs> tu as raison c'est la solution parfaite pour une situation mm -hmm. comme celle-ci <laughs> mais comment depuis tout ce temps je n'ai jamais pensé à ça je suis en train de parler d'un homme et non d'un instrument genre j'ai besoin d'un être humain je veux sentir que je suis en contact avec un homme et alors? Moment. Et alors? Ok. Bien. Pour le moment, je suis sans mots. Si mon petit conseil ne sera pas considéré, alors contente-toi de ton mari. Ok. Alors, dites-moi où est-ce que je vais le. Trouver. Là maintenant tu parles. T'inquiète pas, tu vas t'habituer avec les temps. Laisse-moi te dire comment ça marche. Tu ne le mets pas hors du corps, mais à l'intérieur. T'as raison. <laughs> T'inquiète, tu vas l'adorer. Oui. <laughs> Je n'aurais jamais pensé que ma femme me confronterait pour cette situation. Et elle a même eu le culot de me dire que je ne pouvais la faire sentir comme une femme. Et j'ai tellement honte de pouvoir accepter cette vérité. Comment vais-je me sortir de cette merde Comment Désolé monsieur. S'il vous plaît. Et euh, depuis quand est-ce que tu es ici? Juste en vous regardant, vous avez l'air troublé. Je crois que tout va bien. Est-ce que tu as un petit ami? Oui, bien sûr. Et il te satisfait? Mmh, oui. Et comment fait-il cela? Je crois que c'est privé, monsieur. Ah, excuse-moi. Je suis désolé d'avoir voulu entrer dans ta vie privée, ok? Um, ça ça m'est juste venu comme ça, ok? Ok, monsieur, il n'y a pas de problème. D'accord, Oh, vas-y, mets le là. Ok, okay je les dépose ici. Mais, hum, hum, hum. Um. As-tu juste dit qu'il te satisfait? Oui. Il le fait bien, j'en suis sûr. Est-ce que je peux partir? Mmh. Euh, euh, les gars, il, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous demander. Vas-y. En fait, comment est-ce qu'un euh, 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 est qu homme va à l'extrême de satisfaire sa, sa femme au lit? Ah ah. Richard, cette question m'a l'air très suspecte. Très suspecte, vraiment. Ne me dis pas que tu ne fais pas bien le travail. Ah non, que Dieu me parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. <laughs> Au fait, euh, euh, c'est mon cousin éloigné, ok Il me l'avait demandé et il a vraiment besoin d'aide. Vous comprenez Et je lui avais dit oui que j'ai des amis et euh, je leur parlerai afin de lui revenir après. Mais ça ne me concerne pas du tout, sérieusement. Dans ce cas, tu l'aurais juste fait part de ton expérience La manière dont tu satisfais ta femme ah, simple. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais mais ce que j'essaie de faire, c'est d'entendre cela venant de vous, au fait. Vous comprenez Afin de compléter avec ce que j'ai moi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Écoutez, ce gars a vraiment besoin d'une relation sérieuse. Et j'ai besoin de. Je lui ai promis, au fait. Je lui ai dit, je te fournirai toutes les informations dont tu auras besoin. Donc voilà exactement ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas comme si j'étais impuissant. Ah <laughs> Ok. Je vais. Je vais te donner quelques astuces. Laisse-moi d'abord prendre un peu d'inspiration. Oh non, tu en as besoin. Tu en as Vraiment. Raison. Il est terrible, <laughs> Mauvais gars. Trop bien. Tu sais, pour moi, euh, satisfaire une femme dépend du genre de la femme. Beaucoup de femmes ont une forte libido. Certaines ont une très forte libido. Mais vous n'allez pas les rencontrer. D'autres ont une faible libido. Voilà, ça dépend. Et il y a des moments où il faut laisser la femme contrôler. Tu vois Qu'elle prenne le contrôle. Je ne peux pas conseiller les aphrodisiaques. <laughs> parce non. que ça finira par te rendre faible. Oh, même pas un petit non, peu. Non, non, ça, il faut même pas essayer. Juste. Qu'il soit lui-même, essayera. Mmh. Exactement. Comment Exactement. Comment je, je, je ne comprends vraiment pas. Comment Comment tu ne comprends pas Ok, regarde. Qu'il essaye les nouvelles choses. Ce n'est pas répéter les mêmes choses à chaque fois encore et encore. Il faut essayer d'autres choses. Parfois, les surprises sont bonnes. Un rapport sexuel inattendu. Et alors, ton corps, ton esprit, ton âme doivent être focalisés là-bas. Exactement. Là Et j'aimerais encore répéter pas d'aphrodisiaque. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as aimé <laughs> Tu as raison. Mais laisse-moi te dire d'autres hommes sont très égoïstes quand ils sont au lit. Ils aiment souvent se satisfaire eux-mêmes en ignorant les désirs de la femme. Merci, que Dieu te bénisse. J'aime les préliminaires, des longs préliminaires avant le sexe. Bosse sur cette femme, fais en sorte qu'elle désire la pénétration, elle va la demander, et après sa demande, tu pourras la lui offrir. Tu sais, j'aime souvent dire aux gens pense à ce qui t'avait attiré auprès de ta femme en premier lieu. Ok. Demande la femme qu'est-ce que tu préfères ou comment veux-tu que ce soit? Ou encore donne lui la responsabilité, qu'elle soit la responsable. Et après, tu l'auras. <laughs> hey, ce gars est mordant. <laughs> Prof. Maintenant là, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que. Euh... Toutes ces filles, il les poursuit comme des mouches, en fait. Non 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 non, lui c'est un professeur. Attends attends, professeur, c'est oui, oui, Non en tout cas c'est un C'est ça même. Professeur. Ce mec non non c'est un, <laughs> un sorcier. Wow. Maintenant je peux ajouter ce que vous venez de dire avec ma propre expérience. Et quand je me verrai avec ce gars, en tout cas il sera vraiment content. Oui qu'il <laughs> fasse exactement <laughs> cela, ça va marcher. Mais avant qu'il ne le fasse, il doit euh, il doit venir payer la dîme. Oui, uh -huh. exactement. De son oui, 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 oui. Soyez, soyez prêts, il les gars, soyez pénible. prêts. Parce que ceci est vraiment spirituel. S'il ne vient pas, on va te suivre. Oui, je sais. On va te suivre. C'est totalement spirituel. Tu es son garant. Non, sérieux, il n'y a que les esprits qui peuvent te révéler <laughs> ça. Ça, c'est mon pote. <laughs> Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, c'est un vibro, ma soeur. Oh oui, bien sûr. Je sais que c'est un vibron, ma soeur. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Euh, je, je, je voulais t'en parler. Je cherchais juste une opportunité. Pour te les dire. Tu voulais m'en parler, mais tu étais en train de chercher une parfaite opportunité pour le faire, c'est ça? Mmh. Et tu ne m'as pas dit que tu voulais t'acheter ce truc et tu t'en es acheté toute seule. Et ça, c'est juste pour montrer que tu préfères ce jouet plutôt que moi. Non non, 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 chérie, je ne peux pas te remplacer par cet instrument. Comme tu peux le voir, je n'ai pas encore utilisé ça. Je cherchais à avoir ta permission avant, avant de l'utiliser. Tu ne l'as jamais utilisé avant. Alors, qu'est-ce que ça fiche ici Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que ça fiche dans cette maison Koti, n'en as-tu pas marre N'en as-tu pas marre de m'insulter Hein ça, c'est juste pour montrer que, que je ne suis plus un homme pour toi. Oui, c'est ça. Pour que tu sois à l'aise dans cette maison, tu dois me montrer que je ne suis plus un homme pour toi et que, que je ne te satisfais pas du tout. Vas-y, continue. J'espère que ton nouvel engin d'amour va t'aider à te satisfaire. Si c'est vraiment ce que tu cherches. Chérie, tu n'as pas mangé ta nourriture. Juste parce que je n'ai pas faim. Comment peux-tu dire que tu n'as pas faim pendant que tu n'as encore rien mangé? J'ai mangé ailleurs. <laughs> Chérie, tel que je te connais là, tu ne manges jamais dehors. Eh bien, j'ai décidé de commencer à le faire. Est-ce que quelque chose ne va pas avec Oui, rien ne va avec. C'est moi ta femme, mais je prends mon temps pour te préparer à manger. Et pourquoi tu dois manger dehors C'est soit tu n'aimes plus les repas que je fais pour toi, ou encore tu n'apprécies plus mes efforts. Oh, vraiment C'est comme ça que tu te sens maintenant Cela te semble insultant eh bien sache que c'est comme ça qu'on se sent, quand on fait confiance à quelqu'un, et que cette personne nous trahit malheureusement. Si tu n'as rien d'autre à faire comme essayer de dormir, bébé, j'ai besoin de toi. Oh, mais arrête ça. Tu as besoin de quoi Hein Et ton vibro, ma soeur, il ne marche plus Hein Tu n'as plus envie de t'en servir Va le chercher. Mets des batteries et utilise-le. Vibro, ma soeur. J'ai besoin de toi, mon œil. Il doit y avoir de piles. Va l'utiliser. J'ai besoin de toi. Ma chérie, laisse-moi t'aider. Non, ne te dérange pas. Mais oui, papa. Non. Eh, ouais. <laughs> ah. Hey. Es-tu prête à t'en aller tout de suite? Oui, papa. <laughs> ah. Es-tu vraiment sûr que tu es prête à aller? Crois-moi, papa, je vais bien. La tisane café, ma maman m'a vraiment soulagée. Exactement. Et j'ai examen, donc je ne peux la rater pour rien au monde. Vraiment? Oui, papa. Tu as examen. Si quelque chose t'arrive maintenant et que tu meurs, vas-tu encore faire tes examens? Sans effet. Nai, c'est que genre de paroles comme ça. Hein? Est-ce que les mots que tu as employés peuvent servir d'exemple? Bigotaromia. Tu me connais bien avec mes mots. Je les ai toujours placés tels qu'ils doivent être. Tu vois, mm -mm. j'ai juste utilisé ces mots pour. Euh, Dire la vérité, c'est tout ce que j'ai fait. Mm -mm, bah, naï, je n'aime pas ta façon de dire la vérité là-haut. Où... Ah ah, ma fille est bien maintenant. Bien, je suis content qu'elle va bien, ok? Et je sais très bien qu'elle ira bien, ok? Ça va papa, ça va. D'ailleurs, grande-sœur Kossi m'avait appelé aujourd'hui le matin. Oh. Elle a dit qu'elle voulait que j'aille là-bas rester avec elle pour un temps. Mais je ne peux accepter cela parce que j'ai examen. Oui, elle m'avait aussi appelé. Et je lui avais tout expliqué. Mais je n'avais pas aimé sa façon de parler au téléphone. O Godia, ce n'est pas parce qu'elle a parlé avec un ton bas qu'il y a forcément et ça ne va pas. Il faut arrêter d'imaginer des choses. Mm -hmm. Naye, Kosin Chosuku est ma fille. Je connais sa façon de parler. C'est juste que je ne comprends pas à sa façon ce dernier temps. J'étais toujours dit de laisser ça entre les mains de Dieu car c'est lui la seule personne qui a le contrôle. Hein Nous n'en avons pas le contrôle, mais c'est Dieu qui en a le contrôle. Hein À quoi, maman en... As-tu assez d'argent Oui, papa. C'est vrai Oui. Ok. Très bien. Va bien. Ok, papa. Oh, laisse-moi t'aider. Non, laisse-moi, oh, même. Ma... Oh, oh, laisse-moi, femme. Laisse-moi, allez. Allons-y, il n'y a pas de problème. Papa, on okay. fait tout ça pour oh, okay. toi-même. Okay. Prends-en <laughs> toi. même prends toi allons y <laughs> Tu connais Alors, bien ta mère. En tout cas, toi. <laughs> Fais attention, sinon ta mère risque de tomber. D'accord hey. <laughs> Ok. Ah. Maman, j'ai fait pratiquement tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais il ne réagit pas. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille, tu avais commis une très grande erreur. Lorsque tu avais acheté un vibro ma soeur, sans son consentement, ça donnait l'impression... Quand tu n'appréciais pas tous ses efforts. Maman, j'accepte que j'avais tort, mais j'ai présenté mes excuses. Mais il ne veut pas m'écouter. Mais qu'est-ce qu'il qu me veut encore Exerce encore une petite patience, ok Il va se ressaisir très bientôt. Il t'aime énormément. Il était juste jaloux. Parce que tu as préféré un vibromasseur que lui-même. Ah, maman, je ne l'ai pas utilisé. Je lui ai même expliqué. Je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je l'ai même exposé sur la table, juste pour faire régner la paix. D'accord. Hmm. C'est ce que tu vas faire maintenant. Cherche à t'occuper maintenant, ok? Il va reprendre ses états lorsqu'il va réaliser que tu ne t'occupes plus de tout ça. Oui. Les hommes se sentent en insécurité lorsqu'ils constatent que leurs femmes ne s'occupent plus de leurs activités. Ils cherchent à faire un effort pour découvrir qu'est-ce qui occupe leurs femmes. Et au moment opportun, ma chère, rassure-toi que quand tu fais cela, tu utilises ta tête. Ok? Ok. Euh, maman, je vais rentrer demain. Je suis juste surprise qu'il ne m'appelle pas jusque maintenant. Ah, <laughs> t'inquiète, ça va aller, ne te fais pas de soucis. Mmh. Tu sais que le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. Je sais, ça va aller. Non. C'est comment pour l'argent que tu m'avais promis pour acheter ce que je t'avais dit? Euh. Nani. C'est comment pour l'argent, non? Euh, <coughs> Papa. <coughs> Papa. Papa. Papa, j'avais dit que tu vas arrêter avec le tabac. Qui t'a dit ça mmh? hein? Papa, mais c'est pas bien pour ta santé. Papa, ne sais-tu pas que le tabac nuit gravement à la santé Laisse-moi en juger. Prudente. Pourquoi est-ce que tu te déranges toi-même Hein Même si tu emmènes ton père de Jérusalem jusqu'à Jéricho, il va toujours consommer le tabac. Alors s'il te plaît, laisse-le se tranquille, je t'en prie. Mmh. Tu as entendu ta mère. Mmh? Écoute là, ok Il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas <laughs> entre les hommes et les tabacs. En <laughs> <laughs> fait, comment vont tes études Papa, ça se passe bien. Es-tu sûr J'en ah suis très sûr. Ah. et pourquoi est-ce que tu dis ça <laughs> As-tu des doutes Hein sais tu pas qu'elle a hérité de moi l'intelligence Ogaudia, s'il y a quelque chose dont j'ai la maîtrise, c'est <coughs> mon intuition, à savoir quand les choses marchent bien et quand elles ne marchent pas. Ma fille. Papa. A quoi, Papa. Si tu y as des problèmes au niveau de l'école, quoi qu'il en soit, peu importe sa forme, ou que tu fais face à un problème dans la vie. Quoi qu'il en soit, rassure-toi de me le dire, ton père. D'accord. Est-ce que tu m'entends Oui, papa. C'est très important. Parle-en à ton père. Mm -hmm. Il y a des confidences entre père et fille. Donc, et tu, tu m'exclus me maintenant. Ogaudia, mm -hmm. je ne t'exclus pas. Mm -hmm. Donc, il n'y a rien entre père, fille et mère. C'est ça, juste entre père et fille. Pas de problème. Où est l'argent que tu avais demandé pour acheter mon truc ogodia <coughs> ogodia Dis-moi seulement si tu en as. Combien, Combien de fois t'es appelé oh, Combien de fois t'es appelé Seigneur. Cassie. Desmond. Wow, euh, ce monde est très petit. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici Bien, je viens en peine d'arriver je me suis décidé de faire un peu de shopping. Et toi, qu'est-ce que tu fais <laughs> Moi de même, je suis venue faire le shopping. Wow, <laughs> ravi de te voir à nouveau. <laughs> tu as l'air splendide, tu sais. Merci. Bien, je n'aimerais pas te prendre trop de temps debout comme ça. Puis-je au moins avoir ton numéro? Comme ça, je peux t'appeler. Puisqu'apparemment, tu n'utilises plus ton ancien numéro. Allez. Desmond. Je suis mariée. Alors, je sais que tu es mariée. Ne pouvons-nous pas être amis? Ouais, uh, pas mal. Ok. Oh, wow. Cassie. Trop bien, je vais t'appeler. Je suis très heureux de te revoir. <laughs> je sais. Tu es jolie, tu sais. Merci. Um, ravi de te revoir. <rire> <rire> okay. Très ravi de te Pas revoir. Pas de problème, d'accord. Heureusement que j'avais ces sacs avec moi. Il va bien croire que je suis venu faire le shopping. Oh, mon Dieu. C'est tellement beau. Allez, s'il te plaît. Je croyais que tu allais me demander les news de mon Bobby. Excuse-moi. Oh, mon Dieu. <laughs> T'inquiète pas. Mmh. Le tien viendra bientôt. bientôt. <laughs> Nous allons aussi aimer. Ton oh. prince charmant viendra. Nous allons super, aimer, ma chère. Je te le Qu'est-ce qu'il y a de comme ça Qu'est-ce qui ne va pas Il hmm. y a quelqu'un qui te poursuit Depuis quand la maison d'Etrisia est devenue la tienne Merci de lui avoir posé cette question. Cette fille vient ici tout le jour et elle envahit mon espace. Et elle ne me laisse même pas avoir la paix. Mmh. Tu dois être heureuse parce que je vais te tenir compagnie tout le jour. Tu dois me remercier. Allez, des grâces. Arrête ça. Euh, Dis-moi, pourquoi est-ce que tu courais Ah uh -huh. Devinez qui j'ai vu aujourd'hui. Esprit, comment Allez, Je veux deviner quoi C'est quoi Sois sérieuse. Hein, ma soeur Allez, devinez. Ma devine. belle, on est nul en devinette. Alors dis-nous qui tu as croisé. Mm -hmm. Ok, ok. J'ai vu Desmond dans ma boutique. Desmond mm -hmm. Quel Desmond Le même Desmond que vous connaissez. Desmond, ton ex petit ami Oui, Desmond, mon ex petit ami Bébé, tu as vu des bonds de tes propres yeux. Mm -hmm. Est-ce qu'il a vraiment changé? Mm -hmm. Loin de là. Bon, il était en forme, pas mal. Ben, mm -hmm. il avait euh, une bonne mine. <laughs> oh, mais oui, on le sait, c'est pas nouveau. Tu l'as laissé tomber à cause de Richard. <laughs> ah non, non, non. Pourquoi tu dis ça? Tu le dis comme si c'était un acte délibéré. N'est-ce pas qu'il n'était pas prêt pour le mariage Il n'était pas prêt pour une vie de famille Qu'est-ce que vous attendiez de moi Croiser mes pieds M'arrêter, m'asseoir pour l'attendre Peu importe, ça suffit. Ma chérie, je ne faisais que plaisanter. Ah. Ah. Alors, dis-nous, comment s'est passée votre rencontre Rien de grave, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné, puis c'est tout. Tu lui as donné ton numéro alors, s'il veut te reprendre. S'il veut, veut qu'il. Toi. Ça, ce n'est pas possible, même pas dans les rêves. Je suis mariée. Hello. Ok. Ok. Oh, ma chère amie, tu dois être prudente. Sois prudente. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es déjà mariée. Mm -hmm. J'espère mm -hmm. que tu comprends ce que j'essaie de dire. Ok, c'est bon. Je vous comprends parfaitement. Mm -hmm. mm, je le suis. Ne me bombarde pas avec des conseils. Trouve-moi un truc qui va me rafraîchir. C'est juste chaud que j'ai apporté. Apporte de l'eau. C'est ta maison. Loup. Pas de problème. Je reviens te parler de Bobby. Excuse-moi. <laughs> hein? Bobby. <laughs> N'importe quoi. Eh oh. Mon mari. Oh Ogodia. Bienvenue. Merci merci merci. Hey, Comment tu vas? Je vais bien. Comment évolue toute chose? Um, comme tu peux bien le voir. <laughs> Très bien. Merci. Hey. Ogodia. Non. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Quelque chose genre quoi? Je ne comprends rien. <laughs> ah. Je parle en me référant sur la dernière visite de Kosiso ici. Ouais, derrière cette visite, elle avait sûrement un problème à part nous voir seulement. Oui. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de parler avec elle parce que je l'avais vu en train de te parler. Ouais. Mais du souci, du souci, elle en avait vraiment partout dans son visage. Oh, ah, je me <laughs> dérange. N -n 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 -n. ne te dérange pas. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. D'ailleurs, elle l'a déjà résolu. Es-tu sûr? Oui. Mais comment est-ce que tu ne m'as même pas fait part de ça? Nay, comme je viens à peine de te dire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Elle l'a déjà résolu. Ça concerne juste les femmes. Très bien alors. Euh, ok. Si tu dis ainsi, qu'est-ce que je vais manger Tu sais, cette euh, soupe que tu m'as toujours faite là, ma préférée, hein? ça fait un temps que je ne la mange plus. Voilà Vraiment. pourquoi je fais ta soupe préférée. <laughs> tu vas ouais. aimer aujourd'hui. <laughs> Allô mon ange. C'est Desmond au téléphone. Oui. Je me t'ai dit de t'appeler et savoir comment tu allais. Exactement. Et je me t'ai également dit de t'acheter une boisson ce soir. S'il te plaît, ne dis pas non. Ne dis pas non, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Ok, très bien, merci. Je t'enverrai l'adresse et l'heure, ok? Mm -hmm. Ok. Euh. Bébé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions passer un moment autour d'un verre. Juste comme ça? Euh, C'est tout ce qu'il a dit. Désolé. Un instant. C'est lui. Il vient de m'envoyer l'adresse là où on doit se voir. Qu'est-ce que vous me conseillez Je te conseillerais d'être prudente. Mm -hmm. Sois prudente. Ce qui est plus important, ne te laisse pas faire. <laughs> Ça veut dire que vous ne me faites pas confiance Non, nous te faisons confiance à 100%. Mais je veux que tu saches qu'après toutes ces années, Desmond a sûrement changé. Je suis sûre qu'il n'est plus le Desmond que tu as connu dans le passé. Écoute, ce gars est malin. Alors je veux que tu télécharges de la sagesse. Ouais. La sagesse. Ouais, ma chérie. Trichard a raison. Je crois que tu ne sais pas de quoi ce garçon est capable. <laughs> Sérieusement, mm. vous ne me faites pas confiance toutes deux Soyez apaisés. Ne vous en faites pas. Je sais que je suis mariée. Je sais bien que je suis engagée. Pas de je problème. C'est ce que tu dis. Ok. <laughs> Écoutez, c'est un petit cas. S'il a changé, ok, d'accord. Moi, si j'ai changé. Ah <laughs> oh, oui, sérieusement, <laughs> vous n'avez pas à vous en faire. Oui. C'est ton problème. Hum. Ok, tu veux nous dire qu'il n'a pas envie de te rencontrer mm -hmm, Bien sûr. Hum, hum. De la même façon, qu'elle ne doit pas le sous-estimer. Je suis au contrôle. C'est bon. Si tu le dis. Ok, je l'ai dit. Donc c'est comme ça que tu serres les gens chez toi. Vas-tu la fermer? <laughs> J'ai demandé le vin rouge et toi. Et toi, tu m'apportes euh, le rouge. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, Alors comment vas-tu et comment va ta femme, Kossi? Ok. Oui. Quand est-ce que vous viendrez me rendre visite? Ah. Oh. Richard, tu recommences. Pourquoi as-tu soudainement changé d'idée Vous étiez censé venir me rendre visite au courant de ces mois. Oh. Ok, ok, c'est dû au travail. Mais n'oublie pas, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de te voir, je t'en prie. D'accord. Mes salutations à Cossy. Bye. <laughs> Richard. Kiro, maman, j'ai tout fini. Aussi vite? Oui, maman. Merci. Pas de problème, oh, maman. Kiro, s'il te plaît, j'aimerais que tu te rendes au marché m'acheter quelque chose. Ah, ok, maman. S il s il pas de plaît. problème. Oh, s'il te plaît, va prendre un stylo et un bout de papier pour que j'écrive ce que tu vas acheter. Ok, maman. Oui. Mais, maman, mm -hmm. euh, comment va alors ton fils? Oh, il va très bien, merci. Euh, D'accord, maman, s'il si appelle prochainement, dites-lui que Kiro l'a salué. Pourquoi je ne le ferai pas? Après tout ce que tu fais pour moi ici à la maison, tu laves les assiettes, tu laves les habits, tu balades, tu fais pratiquement tout, bien sûr, je lui passerai tes salutations. D'accord, maman. Ok. <laughs> je vais l'en prendre. Un oui. bout de papier? D'accord. C'est sur la table. Oui, apporte aussi. J'avais vu ça. C'est bien. Ah, Kiro. Une bonne fille. Alors, raconte comment tu vas. C'est comme tu vois, ça va. Oui, tu as l'air en forme physiquement, mais je peux toujours voir que tu es inquiète. Le fait que je sois assise ici, avec mon ex en train de discuter, je ne sais pas moi quoi. Ne devrais donc pas me déranger. <laughs> As-tu oublié si as tôt que, que de je, de je de suis de un psychologue? psychologue Mon instinct me dit euh... que. Ton inquiétude n'a rien à voir avec le fait que nous soyons ici, nous deux. Ce n'est pas pour appliquer ta profession que tu m'as invité ici, d'accord Non, je suis désolé. Je n'ai pas assez de temps, s'il te plaît. Je suis désolé. C'est bien de t'avoir ici avec moi. Merci. Ce que je que suis sur le, 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 le point de dire peut de paraître fou. Mais je t'aime toujours. Et je veux que tu me reviennes. <laughs> Ce <Cette cười> que tu que dis n'est pas, pas seulement fou, mais tu es toi-même fou. Tu oublies que je suis marié. Oui, tu es marié. Tu es, tu es marié. Tu sais, tu que sais que très bien que ces gardes t'avaient volé entre mes mains, mains pendant que je me battais. Je, je me battais je pour survivre, pour, pour donner un sens à ta vie, vie ainsi qu'à la, de vie, 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 ainsi que la je mienne. Je te veux maintenant. Je suis de, de retour. retour. Je, 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 suis je suis prêt à te prendre en charge. Je suis prêt à réaliser tes rêves. Je suis désolé de te décevoir. La femme que tu réclames être la tienne, elle n'est pas pour toi. J'appartiens à un autre. Je suis mariée à un autre homme. Alors, Alors dis-moi, est-ce que ta vie amoureuse avec, avec ce gars, gars est mieux est que, que ce qu'on a vécu, moi et toi? Tu ne t'attends pas à ce que je réponde à cette question, je crois. Oh, bien sûr que oui. Réponds. Si seulement si tu veux te rendre, te rendre un service. Je n'ai rien à te dire là-dessus. Ça, c'est parce, parce que tu refuses de voir la vérité. Tu sais quoi Je vois que c'était une erreur pour moi de venir ici. Pourquoi aller avec toi Ouvre tes oreilles. Écoute-moi. Va faire ta vie. J'ai déjà fait la mienne en épousant un autre homme. Tu dois faire la même puisque j'appartiens à quelqu'un d'autre. J'aime mon mari et je ne veux pas qu'il y ait une tierce personne dans notre amour. Je ne veux pas, Je pas, ne peux pas, pas te laisser vais... tomber. de faire. Je ah. oh. suis malade. Vraiment malade. That's toi Décroche ce téléphone, Cassie. S'il te plaît, vas-y, décroche. Cassie, s'il te plaît. Cassie, s'il te plaît. Je veux juste te parler, s'il te plaît. Vas-y décroche, allez décroche, décroche. Décroche le téléphone, bordel. Non, mais décroche ce téléphone, cosy. C'était quoi ce que tu as fait Écoute. C'est quoi ce que tu as fait la nuit dernière Mais quoi C'était quoi Tu m'appelles avec insistance la nuit En vrai, tu ne savais pas que mon mari était là. C'est quoi ton plan Ok, comment tu m'as trouvé ici Oh, Cassie. Cassie, tu as vraiment changé. Ça, ce n'est pas toi comment peux-tu me mentir à propos de cet endroit comment c'est ma vie et mon choix j'ai choisi à qui dire la vérité comme je veux je te demande encore comment tu m'as trouvé ici et c'est quoi ce que tu as fait la nuit dernière Cassie, je, je suis désolé je, je suis désolé écoute tu sais que je ne peux pas supporter voir un autre homme te toucher excuse-moi ça me rendra jaloux je ne pourrai pas les supporter je, je, je deviendrai fou qu'est-ce que tu dis tu sais de quoi je parle. Tu sais que je n'aime pas quand un autre homme te touche. Je je perds le contrôle. En fait, je confirme maintenant que tu as vraiment perdu tes sens. Complètement. Alors, qu'est-ce que veux tu veux ah, que non, je attends, fasse Attends un peu. Si mon mari ne me touche pas, qui d'autre va me toucher Est-ce que tu vas bien Tu si t'entends parler Vraiment que veux-tu que je fasse Va faire ta vie, trouve-toi une femme, marie-toi, juste comme je l'ai fait. C'est ce que tu dois faire. Car si je ne peux pas. Je sais qu'on a été pendant longtemps loin l'un de l'autre, mais on peut recommencer. Je veux qu'on redevienne ce qu'on était l'autre fois. Car si pendant toutes ces années, je n'ai rêvé que de ton retour dans ma vie. Quitte mon shop. Si tu ne veux pas partir, tu peux rester là, je m'occupe de mes clients. Hey, salut. Comment vous allez? Ça <laughs> va bien. Ok. Je suis un peu rapide. Est-ce oui, que je vais montrer tout? Regardez bien, vous allez okay, trouver madame. certainement les amis que vous allez aimer. C'est un nouvel arrivage. Vous avez ceci dans d'autres couleurs? Oui, oui. Passe derrière dans l'autre rayon, tu le verras là-bas. Nous avons tous les modèles. J'ai mis mon temps à Dubaï pour retrouver tout ça. Vous serez satisfaite. C'est très joli, regarde bien. <laughs> Vous allez aimer. Pourquoi ne réponds-tu pas à cet appel mmh, Ce n'est pas un appel important. Et qui est-ce qui appelle C'est son client. Elles veulent prendre les habits en crédit. Et, euh, je leur avais dit qu'en crédit ce ne serait pas possible, mais euh, elles insistent. Éteins juste le téléphone. Ils arrêteront d'appeler. Ah. Ben voilà, ça marche à tous les coups. <laughs> Quoi? Quoi? Cosi! 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 Oh! Oh! Maman, tu as <ís tôi> fait un mauvais rêve? J'espère que tout va bien. Oh, oh. J'ai fait un très mauvais rêve. Oh! Qu'est-ce que c'était? <rires inaudible>...? Hey. Tu sais comment mes rêves deviennent toujours réalité. Ah. Hon Honnêtement, c'était très mauvais. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Comment est-ce que ma jolie Kosito Choukou peut pleurer? Où est ton père? Euh, Peut-être qu'il est dehors, laisse-moi aller voir. Non, 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 je rejette, je rejette toute puissance de l'ennemi Satan qui est en train de combattre ma fille, Kosido, du coup, au nom puissant de Jésus, toute puissance maléfique. Tout attaque du monde des ténèbres. Tu n'as aucun pouvoir sur ma fille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions qui te poursuivent, ma fille, au nom puissant de Jésus. Seuls les sangs de Jésus te couvrent en ces moments. Je te couvre les sangs de Jésus. Tu es protégé par les sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au ah. Au ah, Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui se passe? Nani, je fais un mauvais rêve sur Kosito Ah! Toi avec tes rêves encore? Hein? Mais Nani, euh... tu sais bien comment mes rêves se réalisent. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Non! Qu'est-ce que tu as vu cette fois-ci? J'étais hors de la maison. Et maintenant, Kosi était vraiment devant moi. Et lorsque j'avais levé mes mains pour essuyer les larmes, elle a disparu. J'espère que tu n'essayes pas de déranger le mariage de notre fille avec toutes tes des histoires basées sur des rêves qui n'ont pas de sens. Naï, pourquoi peux-tu dire cela Comment peux-tu dire que mes rêves n'ont pas de sens Kusito Chukou est ma fille et je dois toujours m'inquiéter pour ce qui ne marche pas avec elle. Oh oui, écoute, je ne dis pas que tu ne dois pas t'inquiéter ou te soucier d'elle. Mais je ne cesse de te rappeler que dans chaque circonstance, étant sa mère, tout ce que tu dois faire, c'est de prier et laisser Dieu agir. J'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà prié, mais... Mais quoi Mais quoi Ton problème est d'avoir la foi, une forte foi. Tu es juste une femme de peu de foi. Oh mon Dieu. Tu n'as pas de foi. Tu as besoin de la foi. Et c'est ça que tu manques maintenant. Oui, ta foi, c'est la seule chose qui peut te sauver. Mais pour moi, je sais que mon Dieu a déjà pris le contrôle de tout et il le fait pour moi. Tu dois avoir une telle foi. Hein? Mais pourquoi tu ne parles pas? Vas-y. Je te dis que tu dois avoir cette foi. Oui, Godia. Tu sais que tu ne résous jamais les problèmes. Ah, que veux-tu que je fasse Veux-tu que je commence à pleurer et à crier par-ci, par-là Que je commence à me jeter comme ça Je ne suis pas une femme, alors je ne peux pas faire ça. Je crois très fort à mon Dieu, à mon tch Tchinédoum. Et il est tout ce dont nous avons besoin. Terminé. S'il te plaît, apporte-moi mon tabac, ok pourquoi tu me regardes comme ça Apporte-moi mon tabac. Cousine, écoute, je te à écoute, ma femme. Rien écoute. De de tout tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la foi en Dieu. Il va faire. effets tu me connais bien j'ai toujours parlé telle que les choses se présentent car je suis un homme intègre mais ma de a été contre nous sur la vente de ce terrain tu vois, à chaque fois que nous parlons de ça dans la réunion du conseil, il s'y est toujours opposé. Hein? Et je ne sais plus du tout quoi faire. Tu sais que tu as toujours. Euh, tu m'as toujours fait des révélations sur ma Zendude, Que tu as observé ceci, cela, etc. Et j'étais toujours écouté. Tu sais de quoi je parle? Non, uh, non, non. No. D'accord. Ce que j'essaie de dire est que. Nous aurons une réunion demain et j'ai vraiment besoin d'un conseil sur la manière dont nous devons gérer ce Mazien de D, car il est le seul à s'y opposer tandis que moi je suis d'accord. Et tu sais que c'est moi qui dirige le projet. C'est très très important que je sache exactement quoi faire. Alors j'ai vraiment besoin de ton conseil sur ça car la réunion est prévue pour demain. Est-ce que tu comprends C'est la chose la plus importante que au Godia? Au Oh, ah, ah. Qu'est-ce qui ne va pas encore, hein? C'est quoi le problème? Pourquoi es-tu devenue si pensive, hein? Qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, dis-moi. Je sens qu'il y a un, ça ne va pas. Hmm. Je sens comme s'il y a quelque chose de mal qui veut arriver. Ah, Ogodia, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Je t'ai déjà dit d'arrêter de penser qu'à cause de telle ou telle autre situation, quelque chose de mal va arriver. Rien de mal ne va se produire. Ah ah. Tu dois essayer de penser différemment. Je veux essayer. S'il te plaît, il serait mieux que tu essayes. Tu vois, je n'aimerais pas que ce que tu traverses puisse affecter ta santé. Parce que tu ne fais que penser à tout moment. Tu penses toujours profondément et ça commence vraiment à me déranger. Tu vois J'ai entendu Naï, je veux essayer. Demain matin, j'irai à la réunion du conseil. Pense à ça car j'aurai besoin de tes conseils. Pour que je sache quoi faire, car ma zone de dé devient trop compliquée. Desmond, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que je t'ai de venir dans ma boutique. Mais tu sais que je ne peux pas. J'ai bien essayé de t'oublier, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas que tu dois faire un choix ou non. Tu dois le faire. Tu es obligé de le faire. Bien, je le ferai. Je le ferai, mais j'aimerais que tu me fasses une faveur. Juste dis-le. Je te promets que juste après, je ne vais plus te suivre. Dis-le. Tu n'as qu'à Bien, qu'est-ce qui se passe ici Ai-je manqué quelque chose Oh, non, non, non. Euh, C'est mon client. Il était juste au point de partir. Oh. Avant ton arrivée. Oh, d'accord. Il n'a pas l'air content du tout. Oh oui, oui. Les marchandises qu'il a commandées ne sont pas encore arrivées. Ok. Je pense que ce visage, ce visage m'a l'air très familier. Non, 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 tu ne le connais pas. Je te dis vrai, chérie, j'ai déjà vu ce gars-là mmh, quelque part. Bébé, est-ce que tu peux arrêter de t'occuper de mes clients? Parle un peu de nous. Parle oh, je suis désolé, je suis désolé, ok? Euh, je suis venu pour t'inviter à manger avec moi. Parce que je suis censé voyager aujourd'hui même pour le travail. Alors, prépare-toi, nous... C'est arrivé jusqu'à ce point. Uh -huh. Tu veux voyager pour le business? Donc c'est jusqu'au point de ne plus rien m'informer sur toi hein? Non, 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 non c'est ce pas, pas du tout ça chérie, ce n'est même pas comme si j'essayais je, je, de te punir, non, pas du tout. C'est juste un, un voyage d'affaires inattendu, et je suis obligé d'y être, c'est juste ça. Je n'essaye pas de te punir ou de te faire quoi que ce soit, sérieusement. C'est pour combien de temps que tu vas juste prendre Juste deux semaines, je serai là. Deux semaines pleines pour un voyage inattendu Pour de vrai Chérie, je, je viens te dire que j'étais désolée. Hein? Ok? Je suis désolée. Je n'ai pas d'autre choix. Puisque tu dis que tu es désolée, je dois accepter. Ah, voyons, chérie. Je souhaite juste que tu fasses la même avec moi. Allez, arrête de dire ça. Nous n'avons pas besoin d'en parler là tout de suite, ok? Allons-y seulement. Hmm? Bien sûr que je vais venir. Est-ce hein, si que j'ai un choix? Prends ton sac. Ah, d'accord. Ah, oh, salut, comment vas-tu Ça va, monsieur. <laughs> Ça se voit que tout va très très bien pour toi. Hein Ça se voit. Cossi. je suis désolé de ma réaction de l'autre jour. C'était un peu plus fort que moi. Je suis désolé d'avoir négligé tout ce temps. Ici en train de me dire tout ça parce que tu m'abandonnes pendant deux semaines. Non, tu ne dois pas dire cela. Je ne t'abandonne pas du tout. Et tu sais que je ne peux le faire. T'en prie. Je veux juste que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Ok? Je suis contente que nous soyons de retour ensemble, avec beaucoup d'énergie. Tu sais, ces moments excitants que nous passons tous ensemble me manquent. Oh, crois-moi. Nous allons rallumer notre flamme. Quand je reviendrai, tous ces moments excitants, nous allons les faire vivre, et en mieux, et plus fort que jamais. <laughs> D'accord. D'accord, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. <laughs> Kiro Bon après-midi, maman. Bon après-midi. Qu'est-ce qui t'est arrivé au pied euh, J'étais tombé la nuit dernière et l'os euh, s'est un peu déplacé. Tu aurais dû rester à la maison au lieu de venir ici <laughs> Non, moi je suis venue parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider avec les travaux ménagers. Mais Kiro, comment est-ce que tu peux faire ça avec ces pieds qui te font mal Ça va, euh? maman. Je ne me plains pas. Je veux bien le faire. Va te reposer à la maison avec ses pieds. Je voulais seulement t'envoyer au marché m'acheter quelques histoires, mais je le ferai seule. Hey, oh, maman. Prends cet argent et va t'acheter des anti-analgésiques. Merci, maman. Je t'en prie, s'il te plaît. Rentre à la maison. Ok. Je viens avec toi. Tu ne viendras maman, pas avec moi, s'il te plaît, plaît par la serai... maison, avec ses pieds. Je serai non, 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 c'est pas possible. Rentre à la maison. ee resebulụwa anya nwụ ụtụtụ ekelele m ihe abiakwa m ọzọ abiakwa n'ụtụtụ a ka asị ịdalụ Ifi yi eme la yi ne miri na emiri di baa yi asi bi daa lo ɔtutu ɔbuna bɛkua bɛyi kene kpɔkueyi anyanwó otutu oluse buuru wa asi mi daa lo ife yi ofe tsi yi eme abɛkwa bia asi daa lo enyemiyi nkɛ angadi akpɔ okuyi ife ɔbuna yi na eme oluse buuru wa enyemiyi nkɛ nkwɔ ni onwe nkɛ. Eke enyemi ɔnuu ɔrie ɔsiisi yɛ ka anyi na ezu ike enyemi nke afɔ enyemunu nke nkuwa ka anyi taa nu ka anyi ria nu naye ri bàmá kúnu si ka anyi ri bàmá aseme ɔnú daalu wɔ ezikunmuanya nkè.

au lieu de prier au Créateur, toi tu pries aux gens que je ne connais même pas. Ah ah! Ougodien, l'ignorance tue. Je peux bien comprendre que l'évolution du temps hein, a vraiment enlevé et éradiqué ce que nous faisons dans notre culture a été enlevé de ton cerveau. Sans aucun doute, notre Dieu est suprême. Je crois en Dieu. Et au même moment, notre culture et notre tradition sont les choses les plus importantes. Et nous sommes assujettis de dire merci à nos ancêtres. C'est extrêmement important. Ougodia, je suis un homme de tradition et je continuerai à respecter notre culture. Car notre tradition est sacrée. Ce n'est pas nécessaire, Nain. Ce n'est pas du tout nécessaire. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu. Ogodia. Pourquoi continues-tu de parler de ça à tout moment, Ogodia? Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Nos ancêtres sont très importants dans notre vie quotidienne. En fait, où est ma nourriture? Pourquoi me fais-tu parler comme ça? Où est ma nourriture Salut bébé. Comment ça me rend mal à l'aise J'étais interdit de venir dans ma boutique. La tête que tu fais commence à me perturber. Tu as failli me causer des troubles hier avec mon mari. Je suis désolée Regarde, je suis vraiment désolé à propos de ça, ok ah, C'est quoi ta raison d'être ici Continue à te demander la faveur que je te demande tout ce temps. Quelle faveur Tu peux le dire. Ok. Je sais que tu as oublié, mais je te pardonne. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je veux que tu viennes dans ma maison pour le célébrer avec moi. Quoi? Venir où? Ça, ce n'est même pas possible. Mais qu'est-ce que je vais venir faire chez toi? Je ne viens pas chez toi, s'il te plaît. Tu as cette monde que tu peux inviter avec qui tu peux célébrer ton anniversaire. Je sais. C'est vrai, j'ai assez de monde que je peux inviter pour célébrer mon anniversaire. Mais j'aurai aussi besoin de ta présence pour que cette journée me soit spéciale. S'il te plaît, accepte cette petite demande de ma part. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît... Desmond. monde, s'il te plaît, arrête de, arrête de m'embarrasser. Lève-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas m'élever d'ici si tu n'acceptes pas ma demande. S'il faudra que je reste ainsi toute la journée, je le ferai. Ok, d'accord, lève-toi. Tu peux te lever maintenant. S'il te plaît, lève-toi. Tu toi, promets non? Je serai là. Lève-toi. Merci. Ne sois pas si excité puisque je ne veux pas rester pendant longtemps. C'est bon, ça me suffit. Merci, je... Merci beaucoup. Je t'enverrai l'adresse et l'heure une fois qu'il es ici. Comment tu vas aimer Promets-moi juste qu'après ça, tu ne viendras plus me déranger. D'accord. C'est promis. Oui, je te le promets. Viens. Merci. Mmh. Aide-moi, Seigneur. Ok. Um, S'il te plaît, fais comme chez toi. Où sont les autres personnes? Mais nous sommes déjà 19h. Comment tes invités ne sont pas encore là? Oh, de quel invité parles-tu? Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu avais invité d'autres personnes avec qui tu veux célébrer. Où sont ces personnes avec qui tu allais festoyer? Oh regarde Cassie, je n'ai pas besoin du monde pour célébrer mon anniversaire. Ce jour est très spécial pour moi et je n'ai besoin que de toi pour le rendre mémorable, c'est tout. Nous ne sommes pas convenus comme ça, je dois partir. Pourquoi ai-je l'impression que tu as peur Peur de quelque chose Peur? Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je m'inquiète juste. Tu t'inquiètes pourquoi? Je suis soudainement devenu un tueur et je vais te tuer, c'est ça? Allez, arrête. Je pense suis pas aussi ridicule jusqu'à ce point. Ok. Maintenant que tu es là, pour mon anniversaire, tu comptes déjà m'abandonner. Vraiment Qu'en est-il de la promesse que tu m'avais faite Non, c'est à moi de répliquer. Est-ce que tu as tenu à la promesse Tu voulais dire quoi Que voulais-tu dire Tu vois, tu n'as même pas une justification pour toi-même. Je ne t'ai jamais fait une promesse sur qui tu devrais rencontrer pendant mon anniversaire, n'est-ce pas j'ai juste promis de ne plus te déranger après aujourd'hui. Ok, bien, tu as gagné. Bien. Maintenant, sois mon invité. Allez, viens t'asseoir. Trop bien. Merci. D'accord. Et, euh,. C'est quel genre d'anniversaire comme ça Pas de souhaits, pas de chansons, pas de sourires. Rien mmh, que la colère. Bien, j'aime ça. Bien. Alors, nous allons célébrer pour mon anniversaire. Te rappelles-tu de mon dernier anniversaire que tu as célébré Certainement pas. Mais aujourd'hui, tu es un célèbre. <laughs> tu es trop belle. Joyeux anniversaire. Honnêtement, tu n'as pas trop changé. Alors, ça c'est... Euh... La célébration de la vie, la célébration de l'amitié, ne vas-tu pas chanter pour moi vraiment Joyeux anniversaire. Ok, très bien, vas-y, j'aime beaucoup ça. Joyeux anniversaire de ce monde, joyeux anniversaire. Alors, nous allons boire à notre amitié. J'attendais que ces jours viennent où je célébrerai mon anniversaire avec toi. <laughs> Alors, Toston, je te souhaite le bonheur du monde. Je te souhaite la vie et la prospérité. Oh, regarde, Kossi. À nous et à Dieu qui a fait en sorte que nous nous retrouvions ici. Mmh. Alors. C'est le moment du gâteau. Mmh. Je... je vais te laisser couper les gâteaux. Puisque tu es mon invité spécial, je te laisse couper les gâteaux. <laughs> non, s'il te plaît. S'il mmh. te plaît, j'insiste. C'est ton anniversaire, s'il te plaît. OK. J'aurai mmh. besoin de ta main pour m'aider. C'est mon anniversaire. Je peux demander de l'aide. OK. Ce n'est pas mon anniversaire. S'il te plaît, c'est mon anniversaire. Ça doit être au-dessus de ta main et non le contraire. Ok. Euh, qui est-ce que je peux souhaiter à casser J'ai anniversaire à moi-même. Vrai mm -hmm. Je m'en rappelle mm -hmm. toujours. Mm -hmm. Rappelle-toi comment... Nous faisions quand nous étions à l'école. Mm -hmm. Tu vas creuser un grand trou. Mm -hmm. <laughs> Et là, tu vas tu tes doigts pour les finir apparemment. Mm. Sans toi, ne t'inquiète pas. Je ne saurais les finir moi-même. Non. Mm. As-tu besoin de plus de vin? Mm. Yeah. Non, juste bon, un okay. peu, un peu. Vas-y, juste un bon, peu. C'est comme au beau vieux temps. Tu veux mon vin? C'est comme si tu es ivre. Doucement, doucement, doucement. <laughs> okay. Essaye de finir ça. <laughs> Toston. Toston. Toast. Toston. Okay. <laughs> ok. Ok. Ok, Ok. Non. Ok. Right. Qui a-t-il Qui a-t-il, chérie il y a quoi? C'est quoi le problème? Regarde, c'est par quoi tu m'as fait passer? Dis-moi, regarde ce que tu m'as fait. Je dois partir. Tu ne peux pas rentrer, en tout cas pas <laughs> maintenant. Il est très tard. Il est presque oh. une heure. Oh, Seigneur. Ça, ça, c'est exactement ce que j'ai vu. Comment peux-tu avoir peur Comment peux-tu avoir peur de quelque chose que moi et toi avons aimé Tu sais, la réaction que tu as donnée. Aucun homme qui a tous ses sens ne peut résister à cela. Tu t'es collé à mon corps, la façon dont tu m'avais serré, la façon dont tu m'avais touché. Même quand je voulais arrêter, tu m'as supplié de continuer. J'ai aimé ces moments. Et je maudis les jours où je t'ai perdu. Assez! Arrête! Arrête. Épargne-moi des détails, s'il te plaît. Tu sais que cacher la vérité n'est pas mon truc. Ce qui s'est passé entre toi et moi vient juste de réveiller tous nos moments du passé. Je dois être honnête envers toi. Je ne regrette pas ce qui vient de se passer. Je veux que ma femme me revienne. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour t'avoir à nouveau je t'aime toujours je n'ai jamais arrêté de t'aimer s'il te plaît je j'aimerais je... qu'on le fasse encore je veux que ça continue je veux t'avoir pour moi seul Non, 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 je ne vais pas. Laisse-moi. Non, non, arrête. Cassie. Non, je dois rentrer chez moi. Cassie. Non, non. Non, je dois rentrer chez moi. Laisse-moi. Cassie. Je ne veux pas. Cassie. Ça fait longtemps que je me suis aussi sentie excitée sexuellement. La culpabilité m'a tout envahie. Mais je ne saurais me tromper et dire que je n'ai pas profité de ça. La satisfaction, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Et je l'ai eu chez mon ex en trichant à mon mari. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, Dieu ait pitié de moi. Qui est-ce hey, S'il te plaît, ouvre-moi. Oui, vous cherchez Je veux voir ta patronne, s'il te plaît. Ma patronne Oui. Vas-y, ouvre-moi. Veuillez patienter, s'il vous plaît. de là qu'est ce que tu me veux qu'est ce que tu es venu faire dans la maison de mon mari qu'est ce que tu es venu faire ici calme toi je suis venu te voir tu ne décroches plus mes appels j'étais dans ton shop à maintes reprises et tes travailleurs m'ont dit que tu n'étais pas là pourquoi je dois prendre tes appels dis-moi pour quelle raison hum? écoute reste loin de moi je ne veux plus te voir encore près de la maison de mon mari tu m'entends Reste loin. Quand est-ce qu'on va se voir? Te voir pour quoi? Mais écoute, me voir pour nous. Est-ce que je ne te manque pas? Toi, tu me manques énormément. Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite? Je ne peux la respecter. Oh mon Dieu. Je ne peux pas. Oh. As-tu oublié ce qui est arrivé entre nous deux récemment? Tu sais quoi? Je ne veux plus jamais te voir encore ici. Emeka! <laughs> Emeka! Madame! Viens ici, dépêche-toi. Écoute, je ne vais plus jamais voir ce visage. Dans cette parcelle. Est-ce que tu comprends? N'ose plus jamais parler ou ouvrir le portail pour lui si tu ne veux pas perdre ton travail. Dégage! Monsieur, monsieur, allez-vous-en. On vous a dit de vous en aller. Allez-vous-en, non? Je ne veux pas perdre mon emploi.